La princesse écureuil. Il était une fois, il y avait un roi qui avait un grand royaume. Il était très méchant et orgueilleux. Son royaume était le plus puissant de la terre, mais ses gens étaient très malheureux. Le roi et la reine avaient une petite fille qui était la plus belle princesse de la terre. Elle était aussi remplie de douceur. Un jour, la sorcière de la ville dit que sa fille était trop belle et qu'elle se marierait avec le prince le plus puissant dans la terre et il lui renverserait. Le roi demande à la sorcière de transformer sa fille en écureuil pour cacher sa beauté. Le roi dit: S'il vous plaît, sorcière, changez ma fille en écureuil. Je ne peux pas risquer mon trône. La sorcière répondit: Bien sûr, la seule façon de briser le sort est de tomber amoureux d'une personne. Donc la sorcière la transforma en écureuil et l'emmène dans la forêt. La princesse grandit dans la forêt en écureuil. Elle savait qu'elle était une princesse humaine, mais cela ne lui importait pas parce qu'elle avait des amis animaux et une vie avec eux. Ses meilleurs amis étaient les lapins et les oiseaux. Un jour, un beau prince faisait une promenade dans la forêt quand il vit un écureuil. Quel écureuil mignon! Excusez-moi, je peux vous entendre. Je suis une personne aussi. Quelle surprise! Pardonnez-moi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Princesse Hardy. Alors, comment est-ce que tu es devenue un écureuil? Donc, la princesse lui expliqua toute l'histoire et ils se parlèrent toute la nuit. Cela ne leur prit pas beaucoup de temps pour se rendre compte qu'ils étaient tombés amoureux. Le prince savait que le seul moyen de le retransformer en humaine était de l'embrasser, tandis qu'il ne savait pas à quoi elle ressemblait. En humaine, ça a plus personnalité, était assez. Comment est-ce que cela a pu arriver? Le plan du roi pour se venger n'a pas marché. À ce moment, le prince embrasse la princesse. Elle se sent transformée en humaine de nouveau et ils se marièrent. Ils devinrent le couple plus puissant du monde et du royaume. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.